Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Corras. Vous savez combien de... Qui est-ce? Une carrienne? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard? Je vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre Saren et les Geths. Vraiment? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zora Narraya. Nous voyons peu de cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geths. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geths ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geths grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Qu'avez-vous découvert? La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Saren ne s'en sortira pas cette fois. Attendez. Saren n'était pas seul. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneur? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Geths. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les Geths, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la carrienne? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Vite. Oudina est en train de présenter l'épreuve de la carrienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benezia. Elle doit être aussi de mèche avec les Geths. La matriarche Benezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Geths. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéens et ils ont disparu. Les Geths prennent les moissonneurs pour des dieux et Saren pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Saren est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal? Saren pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible! C'est forcément impossible! Où sont partis les moissonneurs? Pourquoi ont-ils disparu? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur.
Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas! Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte! On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille. Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher sa reine de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Je le trouverai. La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Ça lui aurait écorché la bouche de dire merci. Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, commandant.